alors il n'existe plus ni celui qui danse, ni celui qui regarde. Seul existe la danse. Et rien d'autre. Je ne sais même pas comment réagir. Je dois probablement me mettre à pleurer, mais j'en ai pas envie. Tu penses que je suis en état de choc, non? Un comportement tellement bizarre, inadéquat. C'est probablement comme ça que se traduit l'état de choc. C'est quoi cette musique sur laquelle tout se met en mouvement? Est-ce qu'en ce moment même, il y a une musique qui joue? Vous avez déjà entendu parler de la danse des lits? Je vois pas, je ne vois pas, je ne te vois pas souffrir, ma petite fille. Je ne l'aperçois pas, je ne veux pas l'apercevoir. Je n'aperçois pas ça, je veux pas apercevoir ça. J'ai peur de ça, j'ai peur d'avouer ça. Je peux pas penser à ta souffrance, j'en ai bien assez avec la mienne. Et maintenant, je vais te dire une vérité. Et ma vérité est aussi courte que la tienne. La voilà. C'est pas ta danse qui m'indigne. Mais le contenu de ta danse. Tu glorifies la tragédie, la crasse et le drame. Tu appelles bonheur le drame et ça te rend heureuse. Tu changes le drame en bonheur et ça te rend heureuse. Le drame ne devient pas bonheur, mais toi, tu deviens heureuse. Et ça me met en rage. C'est ton désir pour la réalité. Tu prends la vie des misérables, des malades, des laids, des estropiés qui vivent dans des lits, qui sont un malheur. Et tu crées à partir de cette belle danse qui ravit tout le monde. Tu deviens célèbre en chantant le malheur des autres. Tu danses et tu reçois la gloire, mais ceux que tu danses meurent de misère et de maladie. Tu deviens heureuse en montrant le malheur des autres. Voilà ce que je n'accepte pas. Je suis danse, je suis la fin de la danse. C'est parce que, voilà, tu vois cette personne? Vous connaissez, tu te souviens? Oui, bien sûr, nous nous sommes rencontrés à Kiev.